Donc, tu as un projet que tu portes dans ton cœur depuis des années. En fait, tu as même un endroit de ta maison où tu as fait commencer ce projet-là. Tu es là. Et il y a une certaine frustration que tu reçois, ressens. Parce que tu te dis, ah, je n'ai pas encore assez d'argent. Je n'ai pas encore assez de je ne sais pas quoi. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui de te relever. Relève-toi. Enlève la saleté sur toi parce que tu étais assis au sol longtemps. Tes gens sont en train de venir. Isaïe 60, vois-les venir. Vois tes fils, tes filles venir des quatre coins de la terre. Tu vas coacher les gens, tu vas peu importe ce que tu vas faire, coiffer, coacher, cuisiner pour des personnes qui viendront de tous les quatre coins de la terre. Ils viendront à toi. Et ils ne vont pas regarder si tu as l'argent ou pas. Ils ne vont pas regarder le local. Ils ne vont pas voir que, oh, il y a ceci, il y a pas. Non. C'est toi qu'ils poursuivent. C'est toi qu'ils poursuivent. J'enlève la honte de ton esprit, de ton cœur. Cette honte que tu as. Je viens te fortifier. Je t'établis. Je t'établis. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu es un leader dans ton domaine. Répète après moi, je suis leader dans mon domaine. J'enlève les frustrations sur vous. On ne vous frustre plus. Je suis leader dans mon domaine. Même si tu vends le charbon, je déclare que tu vas vendre le charbon aux plus grandes personnalités de ta ville. Tu cuisines, tu vas cuisiner pour les plus grandes personnalités de ta ville, de ton pays. J'enlève la frustration que l'ennemi met en toi. S'il y a une chose avec moi que Dieu m'a toujours donnée, peu importe par quoi je commence, moi, il n'est pas ma honte. Même si quand il coiffait, tu venais chez moi, tu t'assois sur la chaise, j'avais rien d'autre. J'avais juste le peigne peut-être. J'avais dépensé peut-être 10 000 pour acheter mon matériel. C'est progressivement que j'augmentais les choses. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Je vous fortifie. J'augmente encore plus vos dons, votre puissance, votre pouvoir, votre impact, votre influence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'enlève la honte sur toi, la honte. Avec ta femme, tu n'as plus honte. Avec ta famille, tu n'as plus honte. J'ouvre tes canaux financiers pour que tu reçoives l'argent. Que tes dons, pas ton don, mais tes dons te donnent de l'argent. Amen.